Bonjour à toi, chers spectateurs, et bienvenue dans Carte Blanche, l'émission où je vous sers sur un plateau ce que je pense quand j'en ai envie. L'intelligence artificielle et le monde du cinéma. Un bien vaste sujet. Dieu sait que, de manière globale, l'intelligence artificielle, ou en tout cas la robotique, plus globalement, a toujours fasciné le monde du 7e art, et notamment le monde de la science-fiction, et même à tout récemment d'ailleurs avec The Creator. Il y a clairement une envie de la part du cinéma de parler de ça, de parler de son évolution, de parler de cela de manière antagonique ou au contraire de manière très bienveillante. Mais il est indéniable qu'aujourd'hui, il y a une parabole beaucoup plus large à faire autour de l'intelligence artificielle et du monde du cinéma, puisque ben, vous en doutez au vu de la grève qu'il y a eu tout dernièrement, qu'elle soit des scénaristes ou des acteurs, il y a un petit souci au niveau de l'intelligence artificielle, notamment à Hollywood, mais de manière plus globale dans le monde, parce que lorsque l'on voit ce que certaines intelligences artificielles sont capables de faire aujourd'hui, sont capables de composer, même si ça n'est pas forcément toujours de la création artistique, mais plutôt de la copie, ou une certaine forme de contrefaçon, ou alors si ce n'est pas de la contrefaçon, de l'imitation. En tout cas, l'intelligence artificielle cherche vraiment de plus en plus, entre les mains de ceux qui la créent, à imiter le geste humain. Donc par découlement, lorsque l'on parle d'art, on a envie de dire que possiblement, il y a des mecs qui se disent que ça pourrait être pas mal de faire en sorte qu'une intelligence artificielle, qu'un espèce de robot, ou en tout cas quelque chose qui n'est pas concret, qui n'est pas aussi concret que l'humain en tout cas, soit capable de créer. Et alors là, c'est une vraie question, parce que de ce qu'on a vu dernièrement, et c'est en cela que ça inquiète pas trop de personnes, l'intelligence artificielle, elle fait plus imiter que réellement créer. Elle ne crée pas, elle essaye de reprendre des choses à partir de données qu'elle a déjà en main, et à partir de cela, elle essaye de développer quelque chose qui pourrait potentiellement ressembler à l'idée qu'on lui propose, ou en tout cas qu'on lui donne, pour amener une certaine forme de création artistique. Mais la vraie question qu'on peut se poser, du coup, c'est est-ce qu'au sein du monde de l'art, au sein de l'idée de développer et de créer une œuvre artistique, l'intelligence artificielle a-t-elle réellement sa place? Parce que on voit bien qu'à Hollywood, ils veulent s'en servir un peu pour, je dirais pas copier l'humain, mais en tout cas le remplacer, donc enlever le geste humain créatif pour devenir simplement une espèce d'enchaînement d'actions qui pourrait peut-être donner lieu à ce qui ressemblera à une œuvre artistique. Et d'ailleurs, ça a un peu moqué lorsque plein de gens s'amusent à dire que certains scénarios, notamment autour de Marvel, sont développés par des intelligences artificielles parce qu'elles n'ont pas une once de créativité, ou alors très peu, et que du coup, elles ressemblent juste à des espèces d'ersatz de ce qu'on aurait déjà vu par le passé. Et c'est ce qui est parfois moqué, et même il y a plusieurs années, on se moquait déjà de ça, lorsqu'un auteur de cinéma crée une œuvre qui ressemblait à une espèce de pot-pourri de ce qui avait déjà été développé par le passé. Donc il y a vraiment ce questionnement, de manière très large, autour de est-ce que l'intelligence artificielle est capable de remplacer l'humain ? Alors, moi, je pense pas profondément. Hein. L'intelligence artificielle, elle sera là pour pallier à certaines étapes, pour peut-être échapper à certains instants où on se dira « Oh, est-ce que j'ai vraiment besoin d'embaucher quelqu'un ?» alors qu'il suffirait juste d'avoir une intelligence qui, d'un côté, est capable de sous-traiter certaines étapes finalement créatives. Mais on peut pas enlever la partie humaine. Si on enlève la partie humaine, on enlève l'essence même de, en l'occurrence, de ce que je veux parler du cinéma. Et même avec ce côté un peu débile de vouloir transférer l'identité visuelle d'une personne pour pouvoir l'incruster un peu où on veut dans n'importe quel film à partir d'un catalogue, c'est anti-créatif, et au-delà d'être anti-créatif, c'est anti-humain. C'est, ça n'a aucune cohérence. Et c'est là, du coup, qu'on peut se poser la réelle question autour de la place de l'intelligence artificielle au sein du monde du cinéma et au sein de l'art de manière plus globale. L'intelligence artificielle, elle va potentiellement réussir à mettre en forme quelque chose de manière à peu près cohérente, mais elle n'arrivera pas à créer à partir de rien. L'humain est capable de créer à partir de rien. L'humain a été doté d'une certaine faculté qui lui permet de développer quelque chose qu'il a en tête et qui lui semble être un bon moyen de créer et de mettre en avant ce qu'il a envie de proposer au spectateur. Donc, vaste question que j'ai essayé de résumer au travers d'une petite capsule, mais je pense qu'il y a un immense débat à faire autour de ça. À vous de me dire ce que vous en pensez aussi dans les commentaires, c'est intéressant de voir le recul ou le relief que vous avez envie de donner à ce type de thématique. J'espère encore une fois que ça vous aura plu. Je sais, je n'ouvre qu'une porte là, je ne propose pas littéralement une finalité à ce que je viens de développer, je sais simplement d'évoquer un sujet, et derrière je vous laisse un peu les clés en main pour y réfléchir également et me proposer aussi ce que vous avez envie d'y voir ou d'y croire. N'hésitez pas à le mettre encore une fois dans les commentaires, c'est important aussi de montrer votre point de vue. Et d'ici là, n'oubliez pas ce que je vous dis à chaque fois à la fin de ces vidéos, si j'ai envie d'en parler, eh ben j'en parle.